bienvenue à cet atelier de l'écureuil et le tamia. Ça va être un jeu assez actif avec les jeunes qui est très simple à jouer. Pour cela, on aura besoin de 3 bacs en plastique. On aura aussi besoin de balles, éventuellement en plastique aussi, d'une impression de l'écureuil et du tamia, d'un peu de ficelle ou bien du ruban adhésif. Comment on va organiser ce jeu? On va diviser l'équipe en 2 camps, les écureuils et les tamias. Donc les écureuils sont des mammifères qui sont très rapides, mais qui vont pouvoir juste prendre une seule balle. Tandis que les tamias sont des mammifères qui sont beaucoup plus lents, mais qui vont pouvoir prendre beaucoup beaucoup d'aliments avec eux, donc 2 balles. Dans ce jeu, on va laisser un bac au milieu avec des balles et on va aller faire un camp d'écureuil et un camp de tamia. Où est-ce qu'on va mettre notre papier écureuil ou tamia de chaque camp? Pour cela, on va pouvoir les attacher avec un peu de ficelle ou bien avec du ruban adhésif. L'équipe des écureuils et l'équipe des tamia va devoir venir chercher au centre des balles. Donc les balles, ça représente un peu la nourriture en nature. Donc l'idée, c'est que les tamias marchent et aillent chercher jusqu'à 2 balles, tandis que les écureuils peuvent courir et prendre juste une balle. Le but du jeu, ça va être de développer un esprit d'équipe, de développer un sens de l'agilité et de comprendre aussi comment est-ce que dans la nature, l'écureuil et le tamia vivent, s'alimentent et opèrent. La fin du jeu est marquée quand il n'y aura plus de balles au milieu. C'est alors où on va compter dans chaque camp combien de balles il y aura. Et donc l'équipe, soit des écureuils, soit des tamias, aura gagné si elle aura beaucoup plus de balles. Le but, ça va être de sensibiliser donc les enfants à voir c'est quoi la différence entre un tamia et une écureuil. Et on va pouvoir aussi compter le nombre de balles et voir quelle équipe a été le plus rapide, le plus performante. Et donc aussi savoir c'est qui gagnerait entre des écureuils et des tamias.